Tu peux. Merde. Bertrand? Merde. Christophe? Oui, oui. Capitaine abandonné? Bruno, pardon, c'est ça, Bruno, excuse-moi. Bruno, tu peux venir voir, s'il te plaît, une seconde. Ah, mais t'es là, déjà. Ah, mais non, mais je croyais que t'étais loin, parce que. Non, mais c'est un effet d'optique. Bon, ça va? T'as bien dormi? Oui. Oh, dis donc, t'es poilu, je m'en rappelais pas, c'est bien. C'était ça l'allergie, alors. Non, parce que je me disais, j'ai pas de chat. Bizarre. Bon. Hein? Non, rien, je voulais juste qu'on discute 5 minutes, là. Mais comme j'ai pas déjeuné, si tu pouvais enfiler un t-shirt, ça m'arrangerait. Hein? Non, ben, t'as que ça comme t-shirt? Hmm? En filet, ça? Non, c'est sympa. C'est aéré, quoi, en même temps. Bien. Bien. Non, bah, rien du tout. Enfin, deux petites secondes pour te dire que c'est peut-être pas à peine qu'on aille plus loin, quoi. Voilà, je voulais juste te dire que c'est peut-être mieux qu'on s'arrête là. Voilà, je pense. Hein? Bah, pourquoi? Bah, parce que... Quand même. Parce que... Non, parce que le quotidien nous a bouffé, Bruno. Ah bah oui, au bout d'une nuit, mais moi je me lasse très vite. Voilà, donc si tu pouvais y aller. Hein? Ah bah non, tu m'aimes pas, non? Non, tu m'aimes pas, non, je t'assure, tu te trompes, c'est impossible. Non, je suis pas du tout celle que tu crois, Blaireau. Oh, Bruno, pardon, Bruno, mais... Bruno. Non, pardon, c'est passé la même famille, alors j'ai... Non, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'en te quittant maintenant, je t'aurai un fier service. T'auras pas à le faire plus tard, voilà. Allez, hein? Mais non, c'est pas parce que tu roules en Ford Escort, ça n'a rien à voir. Pourquoi tu dis ça? Mais non, mais je l'aime bien ta Ford, elle est sympa. La jaune? Hmm? Tu sais, c'est bien, j'ai eu l'impression que t'avais du courrier pour moi ce matin quand j'ai eu le. Non, non, c'est rigolo, tu vois. Mais j'ai pas honte de toi, pourquoi tu dis ça? Attends, ça va, j'ai passé l'âge. Mais je t'ai pas caché à mes amis, hier soir je t'enlaçais très fort, voilà. Et comme t'es petit, bah on te voit pas, mais c'est pas. C'est pas volontaire, mais. Mais si, ça se porte encore, la nuque longue. Mais bien sûr, regarde qu'on est l'euro. Eh ben voilà, vous êtes deux en France. Allez, on y va. Quoi? Mais les chemises en soie lavée aussi, c'est bien. Je m'en fous de tes fringues. Mais tu rigoles ou quoi? La soie lavée comme ça, Violette? Chauve-souris? Comme ça? Bah attends, mais tu plaisantes ou quoi? C'est hyper tendance, ça. Tout le monde en porte en Franche-Comté, peut-être. Hein? Mais non, mais ça n'a rien à voir avec ton look. C'est pas ça. C'est juste que je pense qu'il vaut mieux que tu trouves une fille qui te ressemble. Voilà. Enfin, grosso merdo, hein, dans le... Non, dans la silhouette, quoi. Bah, je sais pas, une fille un peu comme toi, qui danse comme ça. Comme ça. Je sais pas comment tu fais. Hein. Voilà, une fille avec un mousqueton et des clés comme ça. Ça vous aurait deux mousquetons. Je sais pas. Je sais... Écoute, une fille bien, peut-être, tout simplement. Voilà. Non, je suis pas une fille bien, moi. Mais parce que je suis scorpion, c'est un scorpion. Alors, je vais te dire. Moi, je passe mon temps à faire du mal aux individus en permanence. Tout le temps. Regarde, la preuve, tu pleures. Tu vois? Je te fais pleurer. Et ben voilà, c'est parti. Enfin, tu pleures. On sait pas, toi, si tu pleures ou si tu vas te transformer en quelque chose. Hein, c'est bizarre. Ah bah si, non, les larmes qui partent comme ça, là, ça n'existe pas dans la vraie vie. Ah non, les gens normaux, c'est la gravité, ça coule. C'est obligatoire, c'est bien. Non, j'ai pas de Kleenex, là, je suis désolée. Bah, colmate, comme ça, maintenant. Là. Comme ça, ça coule. C'est pas ton parfum qui te fait pleurer plus? Peut-être? Non, parce que c'est fort ce que t'as mis ce matin, c'est chargé, hein. Si, moi, ça m'a brûlé, là. Oh, ça a fait. Ça a décollé un pan de tapisserie. De... Je sais que c'est pas possible, mais ça me fait rire. Hein? C'est quoi le nom de ton parfum? Comment s'appelle ta merde, là, qu'on sache? Le nom. Retiens la nuit? Bon. Non, sympa. C'est bien. Eh ben moi, je te retiens pas. Hop. Non, je rigole, excuse-moi. Non, c'est parce que je suis humoriste. Écoute, on va peut-être pas y passer la nuit, hein? Pas une de plus. Je veux dire, on est grand, on est adulte, ça va, on a fait un bout de chemin ensemble, et puis voilà. Ça... Bah si, une nuit, c'est quand même un bout de chemin. Eh ben, c'est un petit bout d'un petit chemin, voilà. Un petit cheminounet, comme ça, voilà. Un petit cheminou, ouais. Ça, comme, je sais pas moi, comme une allée de camping, hein? Je sens que ça te parle, cette image. Hein? Et ben voilà, on a fait une allée de camping ensemble. Et là, je pense que les vacances sont finies. Hein? Rentrons la caravane.
Non, bah arrête de pleurer, ça va. Non, non, mais pardon, je voulais pas te faire de mal, c'est ridicule, quoi. Non, mais ça m'embête de te voir comme ça, c'est tout. Bon, bah, reste pour le petit-déj, si tu veux, hein, c'est sympa. Bon, tu veux quoi? Tu veux un café, un thé, un Ricard?